in. C'est elle. Voilà, Stéphanie. Quel bonheur, Stéphanie. Théodore. 3 ans déjà? Oui, 3 ans. Le jour où je me suis fait arrêter, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Plus le temps avançait, plus mon cœur se serrait. Nous n'osions même plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement une fois plus. Je sais. Et là-bas? Là-bas? Au bagne? On s'en évade. Oui, nous avons été contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne. Que veux-tu dire? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul être humain est asservi sur la terre. J'étais là-bas et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureuse, Stéphanie, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. Agir. Agir enfin! Nous la tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûre. Nous tuerons ce bourreau. Tu es la chef, Héloïse, et je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphanie. Nous sommes toutes égales, camarades. Il faut une discipline. J'ai appris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinée, nous tuerons la grande duchesse et nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi, Stéphanie. Tu dois être fatiguée après ce long voyage. Je ne suis jamais fatiguée. Tout est-il prêt? Depuis un mois, 2 des nôtres étudient les déplacements de la grande duchesse. Théodore a réuni le matériel nécessaire. La proclamation a-t-elle été rédigée? Oui. Toute la Russie saura que la grande duchesse Sergia a été exécutée à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphanie. Oui, tout est prêt. Le moment approche. Que puis-je faire? Pour commencer, tu aideras Théodore Schweizer que tu remplaces travailler avec lui. Elle a été tuée? Oui. Comment? Un accident. Ensuite? Ensuite, nous verrons. Tu dois être prête à nous remplacer le cas échéant et garder la liaison avec le comité central. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voynov en Suisse. J'ai confiance en elle, malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Jeanne? Jeanne. Kaliaïev, nous l'appelons aussi la poète. Ce n'est pas un nom pour une terroriste. Ah, Jeanne pense le contraire. Elle dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Théodore, crois-tu que je saurais t'aider? Oui. Il faut seulement prendre garde de ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est comme cela que Schweizer est morte. Pourquoi souris-tu? Je souris. Oui? Cela m'arrive quelquefois. Dis-moi, Théodore, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Non, mais elle endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es folle? Que veux-tu dire? Rien. Stéphanie! Bonjour. Tout s'est bien passé, Alice? Oui. As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. C'est Jeanne. Ce n'est pas le même signal. Oui, elle s'est amusée à le changer. Jeanne a son signal personnel. Jeanne, voici Fedorov qui remplace Schweizer. Ça l'a bien venu, camarade. Merci. Alors, Les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent? Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant nous, ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'ai été étudiante, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyée de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassée. Ensuite? J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureuse. Et pourtant, tu mens? Je mens, mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe.
Alors, Jeanne, es-tu sûre de reconnaître la calèche? Oui. Je l'ai vue deux fois, Almazir. Qu'elle paraisse à l'horizon, je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche a été bréché. Et les mouchards? Dénués. Mais nous sommes de vieux amis. Ils m'achètent des cigarettes. Pavla a-t-elle confirmé le renseignement? La grande duchesse ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le moment exact. Il remettra un message au courtier. Nous avons de la chance, Théodore. Tu n'es plus cochonneuse. Tu es une grande dame maintenant. Comme tu es jolie. Ne regardes-tu pas ton habit de paysanne? C'est vrai que j'en étais fière. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs et plus d'un mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçons. Une fameuse Gaïa, disait-il. Elle vendrait même les chevaux dits de ça. Et puis ils essayaient de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Tu sais bien que je ne pouvais m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Cette défroque luxueuse. Héloïse aurait pu me choisir autre chose. Un acteur. Mon cœur est simple. Tu es si beau avec cet habit. Beau. Comme j'aimerais l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes, Théodore. Il faut être gai. Il faut être fier. La beauté existe. La joie existe. Au lieu tranquille, mon cœur te souhaitait. Je respirais un été éternel. Tu te souviens de cela? Et tu souris. Comme je suis heureuse. Bon, nous perdons notre temps. Héloïse, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Théodore, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Goynov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphanie, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que ça signifie pour moi. Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, et je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Voynov lance la deuxième. Toi! Ça te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Ça prend de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on n'annonce jamais qu'une fois et ensuite. Enfin, personne ne l'a jamais lancé 2 fois. Ça prend une main ferme. Regarde. Tu crois qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quand j'aurai notre tyran devant nous, j'hésiterais. Comment peux-tu le croire? Ici même mon bras tremblait. Je connais un moyen de tuer la grande duchesse à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi. Tu dois te préserver. J'obéirai, Héloïse. J'obéirai. Quel honneur. Quel honneur pour moi. J'en serai digne. Stéphanie, tu seras dehors pendant que Jeanne et Alice guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres. Et nous conviendrons d'un signal. Théodore et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, la grande duchesse sera abattue. Oui, je la battrai. Quel bonheur, c'est un succès. La grande duchesse n'est rien. Il faudrait frapper plus haut. D'abord la grande duchesse. Et puis si c'est un échec, Héloïse, vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non, ne pense pas au suicide. Et à quoi donc? À la terreur, de nouveau? Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Une vraie révolutionnaire ne devrait pas s'aimer. Une vraie révolutionnaire. Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas celles qui rentrent dans la révolution parce qu'elles s'ennuient. Stéphanie! Quoi, je suis brutale et puis? Pour moi, la haine, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas ici pour nous admirer, nous sommes ici pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas. Tu changes les signaux, tu aimes à jouer le rôle de colporteuse, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds des chevaux et maintenant, le suicide? Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, camarade. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis entrée dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Et chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous pouvons. Nous ne le pouvons pas. Mais que fais-tu donc parmi nous? Je suis venue pour tuer une femme, non pour l'aimer ni pour saluer sa différence.
Mais tu ne la tueras pas seule, ni au nom de rien. Tu la tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. J'en ai pas besoin. J'ai été justifiée en une nuit et pour toujours, il y a de ça 3 ans. Et je ne supporte plus... Assez! Êtes-vous donc folle? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des sœurs, confondues les unes aux autres, tournées vers l'exécution des tyrans pour la libération du peuple. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer. Viens, Stéphanie, nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Stéphanie a souffert. Je lui parlerai. Elle m'a offensée, Louise. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés déjà. Elle ne m'aime pas. Je crois qu'elle n'aime personne. Quand tout sera terminé, elle sera de nouveau heureuse. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai tout quitté pour la révolution. Comment accepter que mes sœurs se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'elles ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroite, je le sais. Elles t'aiment et te comprennent. Stéphanie... Stéphanie est différente. Je sais ce qu'elle pense. Les Schweitzer le disaient déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Elle me trouve un peu folle et trop spontanée, mais comme elle, je crois à l'idée. Et comme elle, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être adroite et taciturne, dissimulée, efficace. Seulement la vie continue de me paraître merveilleuse. Et j'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Mais comment leur expliquer? La révolution, bien sûr. Mais la révolution pour la vie. Pour donner une chance à la vie. Oui. Pourtant, nous allons donner la mort. Je veux dire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose puisque nous... Nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Si cela n'était pas... Bout de tout. Tu sais bien que c'est impossible. Stéphanie aurait raison, alors il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus ancien que toi dans l'organisation et je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi, non. Un seul l'avait. Mais tu as la force de l'âme. Et je sais que tu iras jusqu'au bout pour atteindre ton but. Pourquoi as-tu demandé de lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est l'exaltation et le courage dont nous avons tous besoin. Dont tu as besoin. Depuis un an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté de la Grande-Duchesse. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou brûler dans la flamme de l'explosion et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. Quelquefois, je me retourne sur ma paillasse de colporteuse. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Et en même temps, je pense que je vais mourir. Mon cœur s'apaise. Et je souris. Et je me rends comme une enfant. C'est bien ainsi, Jeanne. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il y a quelque chose d'encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat à l'Est.
quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité. La seule, peut-être, pour la personne. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie, une seule. Oui. Eh bien, aller vers l'attentat puis l'échafaud, c'est donner sa vie deux fois. Nous payons plus que nous ne devons. C'est vrai. C'est vrai, c'est mourir deux fois. Oh, merci, Théodore. Personne ne peut rien reprocher. Non. Et maintenant, je suis sûre de moi. Qu'as-tu? Je voudrais t'aider, seulement. Seulement? Je suis fou, non. Est-ce que tu te méfies de moi? Non, je me méfie de moi, ma chérie. Depuis la mort de Schweitzer, j'ai parfois de singulières idées. Ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Tu es courageuse. C'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice avec ferveur, mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être vaut-il mieux en parler d'avance. Pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Bien. L'attentat, l'échafaud, mourir deux fois, c'est le plus simple. Ton cœur suffira. Mais au premier rang... Au premier rang, tu vas la voir. Mais qui? La grande-duchesse. Une seconde à peine. Une seconde à peine. Oh, ma chérie, tu dois être avertie, tu dois être prévenue. Un humain est un humain. La grande-duchesse a peut-être des yeux compatissants. Sourira-t-elle joyeusement? Se grattera-t-elle l'oreille? Aura peut-être une blessure à la joue? Et si elle te regardait à ce moment-là? Ce n'est pas elle que je tue. Je tue le despotisme. Oui, bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparais la bombe et... au dernier moment, tu sais? Au moment le plus difficile. Celui où les nerfs se tendent. Maman, il faut sceller le tube. J'éprouverai à ce moment-là un étrange bonheur. Je ne connais pas la grande-duchesse. Et ce serait beaucoup moins facile si elle était assise là, devant moi. Mais toi, tu vas la voir de près, Jeanne. De très près. Je ne la verrai pas. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? Non. Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est le portier. La grande duchesse ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Théodore. Oui. Je la tuerai. Avec joie. À quelle heure la grande-duchesse doit-elle passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi. Et les bombes? Assieds-toi, nous ne devons plus rien faire. Si, les envies. Sois patiente. Tu es la chef. Ta place est ici. Je suis la chef. Mais Jeanne vaut mieux que moi et c'est elle qui... peut-être... Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Jeanne et Alice sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec elles. Quelquefois, pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode, après tout, d'être forcée de ne pas lancer la bombe. Et même si cela serait, l'essentiel est que tu fasses ton travail. Jusqu'au bout.
Comme tu es calme. Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà 3 ans que je suis dans l'organisation, 2 ans que je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté, je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Théodore. Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous guine à peine avec le sommeil et que l'on retrouve fraîche au matin. Il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être le plus calme lorsque j'avais le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois? La vie brillante? Les hommes? Oui, j'aimais les hommes. Le vin, c'est lui qui n'en finissait pas. Je m'en doutais, Héloïse. C'est pour cela que je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Il désire encore le plaisir. Cela vaut quand même mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que dis-tu là, toi? Ce n'est pas possible. Oui. Écoute. Non. Ce n'est pas elle. Tu vois. Mon cœur bat. Je n'ai encore rien appris! Attention! Stéphanie fait un signe! C'est elle! Tu n'as pas le droit. Alors? Il y avait des enfants dans la calèche de la Grande-Duchesse. Des enfants? Oui. Le neveu et la nièce de la Grande-Duchesse. La Grande-Duchesse devait être seule, selon Orlov. Il y avait aussi le Grand-Duc. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Par bonheur, les mouchards n'ont rien vu. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants surtout. As-tu déjà regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant pourtant. Dans l'ombre, au coin de la petite place.
J'étais heureuse. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je le jure. Puis il battait de plus en plus fort à mesure que le bruit de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi, j'avais envie de bondir. Je crois que je riais, puis je me disais oui. Oui, tu comprends? J'ai couru vers elle. Et c'est là que je les ai vus. Ils ne riaient pas. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide. Et comme ils avaient l'air tristes. Perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses, les bustes raides de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu le grand-duc. Je n'ai pas vu. S'il m'avait regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins ce regard triste. S'ils regardaient toujours devant eux. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient et puis une seconde après, il était trop tard. J'adore que je rêvais. Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment. Non, tu n'as pas rêvé, Jeanne. Regardez-moi. Moïse, regarde-moi, je n'ai pas été lâche. Je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas, voilà tout. Tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux. Et dans ma main, ce poids terrible. C'est sûr qu'il fallait les lancer, mais je n'ai pas pu. Autrefois, quand je conduisais la voiture, chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent et je n'avais peur de rien. De rien au monde, sinon que de renverser en avant. J'imaginais le choc. Cette tête frêle frappant la route à la volée. Aidez-moi. Je voulais me tuer. Je suis revenue parce que je croyais que je vous devais des comptes. Que vous étiez mes seuls juges. Que vous me diriez si j'avais eu tort ou raison, que vous ne pouviez pas vous tromper. Vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut assassiner ces enfants, j'irai ce soir à la sortie du théâtre. Je lancerai seule la bombe. Je sais que je ne raterai pas mon but. Décidez seulement. J'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer la grande duchesse. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Et Jeanne a raison. Ceci n'était pas prévu. Elle devait obéir. Je suis la responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons s'échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Jeanne d'attendre la sortie du théâtre. Alice? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Jeanne, mais je ne suis pas sûre de moi. Il me tremble. Théodore? Je crois que j'aurais reculé comme Jeanne. Puis-je conseiller à quelqu'un de faire ce que moi-même je ne saurais faire? Vous rendez-vous compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature! Des terribles dangers courus et évités! 2 mois perdus à jamais! Aigor arrêté pour rien! Rikov pendu pour rien! Il faudra recommencer? Encore 2 longues semaines d'attente et de ruses et de tensions incessantes avant de trouver une occasion propice. Êtes-vous fou? Dans 2 jours, la grande duchesse retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être prises, tu l'as dit toi-même. Je pars. Attends. Pourrais-tu, toi, Stéphanie, tirer à bout portant, les yeux ouverts sur des enfants? Je le pourrais, si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Eh bien, ouvre les yeux et comprends.
que l'organisation prenait tous ses pouvoirs et son influence si elle permettait qu'en seul moment, un enfant puisse être broyé par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Le jour où nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité. Qu'importe! Si nous l'aimons assez pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage! Si l'humanité rejette la révolution, et si le peuple, celui que tu luttes et que tu aimes tant, refuse que ses enfants soient tués, faudrait-il les frapper aussi? Oui, s'il le faut, et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi, j'aime le peuple. Cela n'est pas le visage de l'amour. Qu'il dit? Moi, Théodore! Tu es un homme, Théodore. Tu as une idée malheureuse de l'amour. J'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte une seule fois et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Parce qu'on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était à côté de moi et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphanie, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos camarades sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Tout est permis à ce qui peut servir notre cause! Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur deux tableaux, comme l'a proposé Evno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait! Stéphanie, nous oublierons ce que tu viens de dire en considération de tout ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure, nous lancerons des bombes contre ces enfants. Des enfants? N'avez ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Jeanne n'a pas tué ces deux-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pour des années encore. Avez-vous déjà vu un enfant mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Jeanne ne les a pas vus. Elle n'a vu que les deux chiens savants de la grande duchesse. N'êtes-vous donc pas humain? Ne vivez-vous que dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez les mal de chaque jour et non la révolution qui veut guérir tous les maux présents et à venir. Jeanne accepte de tuer la grande duchesse puisque sa mort permettra d'avancer le temps où les enfants russes cesseront de mourir de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais tuer les neveux de la grande duchesse n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a de l'ordre. Il y a des limites. Il n'y a pas de limites. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous étiez sûr que par nos victoires et nos sacrifices, nous arriverions à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finirait par s'étendre au monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors, l'humain, libre de ses maîtres et de ses préjugés, lèverait vers le ciel le visage des vrais dieux, que pèserait la mort de deux enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits. Tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous ne croyez pas à votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphanie, j'ai honte de moi et pourtant je ne te laisserai pas continuer. Je suis entrée dans la révolution pour renverser le despotisme. Et derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi une meurtrière. Alors que j'essaie d'être une justicière. Qu'importe que tu ne sois pas une justicière si justice est faite, même par des assassins. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose et tu le sais bien. Puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice dans laquelle ils vivent, cela est notre affaire à tous. Le peuple ne vit pas que de justice. Quand on leur vole leur pain, de quoi vivraient-ils donc sinon de justice? De justice. Et d'innocence. L'innocence? Je la connais peut-être. Mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'êtres humains afin qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'une personne consente à vivre. J'en suis sûre. Mais tu ne peux pas l'être! Pour savoir qui de toi ou de moi a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, de terribles guerres, de nombreuses révolutions. Et quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi, nous serons mêlés depuis longtemps à la poussière.
Et d'autres viendront alors. Je les salue comme mes frères et sœurs. D'autres, oui. Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui, sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûre. Je n'irai pas frapper le visage de mes semblables. Je n'irai pas ajouter à la justice vivante pour une justice morte. Camarade, je veux vous parler franchement et vous dire ceci que pourrait vous dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous décidez qu'il faut assassiner ces enfants, j'irai à la sortie du théâtre. Mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non! Il est la dernière richesse du pauvre. Et tu le sais bien. Et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. C'est celui qui t'a dressé un jour sous le fouet, Stéphanie. Je te défends de parler de ça! Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était me dire que je pouvais tuer la grande duchesse pour rien. Que j'étais une meurtrière. Je te l'ai laissé dire, je ne t'ai pas franchi. Tu tues pour rien parfois que d'une patchesse! Stéphanie! Personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je répéterai ceci. La terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtrières, nous avons choisi de l'être. Non! J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocente. Jeanne et Stéphanie, assez! L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si le grand-duc accompagne la grande duchesse? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez. Oui, Alice. Recommencer. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Voinov, elle devrait être là. Elle a besoin de dormir. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je peux aller aux nouvelles? Non. Il faut limiter les risques. Jeanne, pourquoi ne parles-tu pas? Ne t'en fais pas, Elise. Je n'ai rien à dire, voilà tout. Et voilà. As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait, il y a des moyens. J'ai essayé, j'étais trop fatiguée. Tes mains tremblent. Non. Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatiguée? On peut être fatiguée. Nous pensons à toi. Il fallait y penser il y a 2 jours. Si la bombe avait été lancée avant hier, nous ne serions plus fatigués! Pardonne-moi, Alice. J'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatiguée, voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, tout sera terminé. Oui, ce sera
fini. Dans une heure. Héloïse, je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Héloïse. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe? Je ne pourrais pas la lancer. As-tu peur? N'est-ce que cela? Il n'y a pas de honte. J'ai peur. Et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant hier, tu étais joyeuse et forte. Quand tu es partie, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit, allons, plus qu'une minute. Je serrais les dents, tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer la grande duchesse sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi. Et puis, rien. La calèche est arrivée sur moi. Comme elle roulait vite, elle m'a dépassée. J'ai compris alors que Jeanne n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisie. Et tout d'un coup, je me suis sentie faible, comme une enfant. Ce n'était rien. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Oh, Héloïse, je suis désespérée. Il ne faut pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. 1 mois de repos en Finlande et tu reviendras parmi nous. Non. C'est autre chose. Si je ne lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc? Je ne suis pas faite pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités à la propagande. Le risque est le même. Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombait sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour retrouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'un homme, se tenir debout et muette, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera en devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrai recommencer sans me sentir vide de mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Je ne suis jamais arrivée à croire réellement à la police secrète. Bizarre pour une terroriste, hein? Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirai pas avant. Et une fois en prison? En prison, on sait et on voit. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a pas de décision à prendre. Oui, c'est cela. Ne plus prendre de décision. Ne plus avoir à se dire, allons, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides de la seconde où tu vas t'élancer. Je suis sûre maintenant que si je suis arrêtée, je n'essaierai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut encore de l'invention. Il faut prendre l'initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. On travaille à vous pendre quelquefois. Quelquefois, mais il me sera moins difficile de mourir
que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras, et de devoir décider du moment où je précipiterai ces deux vies dans les flammes. Non, Héloïse. La seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors nous sommes tous lâches. Mais nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras comme tu voudras. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je ne pourrai pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Dis à Jeanne que ce n'est pas de sa faute. Et que je l'aime, comme je vous aime tous. Adieu, camarade. Tout finira. La Russie sera heureuse. Oh oui, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Venez. Qu'y a-t-il? Voïnov ne lancera pas la bombe. Elle est épuisée, ce ne serait pas sûr. C'est ma faute, n'est-ce pas, Héloïse? Elle te fait dire qu'elle t'aime. La reverrons-nous? Peut-être. En attendant, elle nous quitte. Pourquoi? Elle sera plus utile dans les comités. L'a-t-elle demandé? Elle a donc peur? Non, j'ai décidé de tout. À une heure de l'attentat, tu nous prives d'un membre. À une heure de l'attentat, il m'a fallu décider seule. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Voïnov. Cette place me revient de droit! Héloïse, tu es la chef. Ton devoir est de rester ici. Une chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'elle éprouve sa fermeté à l'occasion. Ma décision est prise. Stéphanie, tu me remplaceras pendant le temps qu'il faudra. Viens, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Mais je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'elle me disait l'autre jour? Elle répétait sans cesse qu'elle était heureuse? Oui. Mais elle me disait qu'il n'y avait pas de bonheur pour elle hors de notre communauté. Il y a nous, disait-elle, l'organisation, et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié. Elle reviendra. Non. J'imagine ce que je ressentirai à sa place. Je serai désespérée. Et maintenant, ne l'es-tu pas? Maintenant, je suis avec vous. Je suis heureuse comme elle l'était. C'est un grand bonheur. Un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Oui. Je pense comme toi. Pourquoi es-tu triste? Il y a deux jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si ça. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, et le courage. Je ne suis pas si grande, et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Il faut que je la tue. Mais j'irai jusqu'au bout. Plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, ce n'est pas ce qu'il faut. Théodore, comment dis-tu cela, toi, dont je connais le cœur? Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont comme je suis. La tête levée, les yeux fixes. Tu viendrais faire l'amour dans ces cœurs fiers. L'amour courbe les têtes, Jeanne. Nous avons la nuque raide.
Nous aimons notre peuple? Oui. Nous l'aimons. D'un amour absent. D'un amour malheureux. Nous l'aimons loin de lui. Enfermé dans nos chambres et perdu dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Non. Le peuple se tait. Quel silence! Quel silence! Mrs. Lalam, tout donner et tout sacrifier, sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu. La joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour ne peut pas être autre chose qu'un monologue. S'il peut y avoir une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu? Le soleil brille. Les têtes se courbent doucement. Le cœur oublie sa fierté. Les bras se tendent. Oh, Jeanne, ne pouvons-nous pas une petite heure oublier toute la misère de ce monde et nous laisser aller enfin? Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Théodore. Cela s'appelle la tendresse. Oui. Tu devines tout, ma chérie. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Aimes-tu la justice avec tendresse? Et notre peuple, l'aimes-tu avec cette douceur, cet abandon? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi? M'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Ne pouvons-nous pas aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. M'aimes-tu plus que la justice? Plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas. Toi, l'organisation et la justice. Réponds-moi, je t'en supplie, ma chérie. M'aimes-tu dans la solitude? Avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Réponds-moi seulement, ma chérie. M'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Et où serais-tu donc? Je me souviens lorsque j'étais étudiant. Je liais. J'étais jeune et beau. Je me promenais des heures. Je rêvais. M'aimerais-tu si j'étais léger et insouciant? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui. Dis oui, ma chérie, si cela est vrai. En face de la justice. Et le peuple enchaîné. Oui, ma chérie. Malgré l'agonie des enfants. Malgré ce qu'on pend et ce que l'on fouette à mort. Mais dis-toi. Non. Il faut au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles moi. Théodore. Que tu m'appelles au-dessus de ce monde empoisonné d'injustice. Mais tais-toi! Mon cœur ne me parle que de toi. Mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure? Oui. J'oubliais. Non. Tu as raison. Ne sois pas fâchée, ma chérie. Je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Et puis, je n'aurais pas pu te le dire, moi non plus. Je t'aime. D'un amour un peu fixe. Dans la justice. Et les prisons. L'été,
souviens-tu de l'été? Non. C'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes! C'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai la grande duchesse. Et il y aura alors une paix. Pour toi. Comme pour moi. La paix? Cette paix, on la trouverons-nous? Le lendemain. Jeanne. Au revoir. Je suis avec toi, camarade. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Nous nous retrouverons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme elle marchait droit. J'avais tort, vois-tu, de ne pas me fier à Jeanne. Et je n'aimais pas son enthousiasme. Elle s'est signée, tu as vu? Est-elle croyante? Elle ne pratique pas. Elle a l'âme religieuse pourtant. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre qu'elle, je le sais bien. Pour nous qui ne croyons pas en Dieu, il faut toute la justice ou c'est le désespoir. Pour elle, la justice elle-même est désespérante. Oui, une âme faible. Mais la main est forte. Elle vaut mieux que son âme. Elle la tuera, c'est sûr. C'est bien, c'est très bien, madame. Détruire, c'est ce qu'il faut. Tu ne dis rien? Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous en avons à peine assez pour la justice. Tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Je n'y vois plus. Elles sont arrivées. Ensuite. Nous nous aimerons. Si nous sommes encore là. D'autres s'aimeront. Ça revient au même. Stéphanie. Dis la haine. Comment? Ces deux mots. La haine. Prononce-les. La haine. C'est bien. C'est très bien. J'en ai prononcé très mal. Je comprends. Tu me méprises. Es-tu sûr d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour, mais... Moi, je n'aime rien. Et... Je hais. Oui. Je hais mes semblables. Qu'aurais-je à faire de leur amour? Je l'ai connu il y a de ça 3 ans au bagne et depuis, je le porte sur moi. Tu voudrais que je batte en crise et que je traîne la bombe comme une croix? Non! Non, je suis allée trop loin, je sais trop de choses! Regarde! Ce sont les marques de leur amour. La méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur?
t'aime aussi. Pardonne-moi, Théodore, je ne sais pas si c'est l'angoisse ou la fatigue, les années de lutte, le bagne, les mouchards, maintenant ceci. Où trouverais-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle d'haïr, ça vaut mieux que de rien sentir, non? Oui, cela vaut mieux. Et fais vite! Comment t'as fait dessus, camarade? Fouca! Tu es condamné? Il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim? Moins haut. Comment? Moins haut! Je vous laisse parler malgré la consigne, alors parle moins haut! Imite la vieille. Tu avais faim? Non. J'avais soif. Et alors? Et alors? Il y avait une hache. J'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué trois. Eh bien, Barine, tu ne m'appelles plus camarade? Tu es refroidie? Non. J'ai tué mon psy. Combien? Je te dirai, camarade, si tu veux. Mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr, 20 ans, c'est cher. Ça vous laisse des regrets. Va-t'en. J'entre ici à 23 ans, je ressors les cheveux gris. Oh, ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a ses hauts et ses bas. Ça dépend s'il est marié et avec qui. Et puis, tu es une barine. Ce n'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne crois pas. Et puis, je ne le veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. La honte? Quelle honte! Voyez-vous ces barines? Combien en as-tu tué? Une seule. Que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué la grande duchesse, Sergia. Oh, la grande duchesse!
Comme tu y vas. Voyons, c'est Paris. C'était grave, dis-moi. C'est grave. Mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour. Une histoire d'homme, non? Bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste. Moins haut. Je suis socialiste révolutionnaire. Voilà une histoire. Qu'avais-tu besoin d'être comme tu dis? Tu n'avais qu'à être tranquille et tout allait pour le mieux. Et puis, la terre est faite pour les barines. Non. Elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Mais quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Enfin, oui et non. Hein. Libre ou pas, c'est jamais bon de boire un coup de trop. Ce n'est jamais bon. Seulement, on boit parce qu'on est humilié. Et un temps viendra où il ne sera plus utile de boire. Où plus personne n'aura de honte, ni barine, ni pauvre diable. La justice rendra nos cœurs transparents. Et nous serons tous frères et sœurs. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Moins haut. Il ne faut pas dire cela, camarade. Dieu ne veut rien. La justice est notre affaire. Tu ne comprends pas. Connais-tu les gens de Saint-Dimitri? Non. Il avait rendez-vous dans la steppe, avec Dieu lui-même. Et il se hâtait. Lorsqu'il aperçut un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint-Dimitri l'aida, mais la boue était épaisse et la fendrière profonde. Il fallut batailler pendant une heure. Et quand ce fut terminé, Saint-Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu, lui, n'était plus là. Et alors? Mais alors, il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous. Parce qu'il y a trop de charrettes embourbées et trop de gens. Moins haut. Et toi, la vieille, dépêche-toi. Je me méfie. Tout cela n'est pas normal. A-t-on idée de se faire enfermer pour une histoire de saint et de charrette? Puis il y a autre chose. Que fait-on à ceux qui tuent les grandes duchesses? On les prend. Qu'est-ce que je fais? Reste. Tu n'as rien fait. Toute barine que tu es, pourtant, je ne peux pas te tromper. Si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Mais pourquoi? Allez, la vieille, parle. Parce que tu ne peux pas me parler comme une sœur. C'est moi qui pends les condamnés. Mais n'es-tu pas condamnée toi aussi? Justement, ils m'ont donné ce travail à faire, et pour chaque pendu, il m'enlève une année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Ce ne sont pas des crimes, puisque c'est commandé. Et puis, ça leur est bien égal. Si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Combien de fois déjà? Deux fois. Tu es donc un bourreau. Eh bien, Marie. Laisse-nous.
Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, hein? C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnelle, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'elle vous intéresserait. Êtes-vous contente? C'est bon de voir des visages après 8 jours, non? Tout dépend du visage. Bonne voix, bien placée. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Vous m'envoyez déçue. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois, un visage rebute et puis, quand on connaît le cœur... Merci. Qui êtes-vous? Skouratov, directrice du département de police. Une servante. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franche avec vous. Vous m'intéressez et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, ma chère. On la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez au moins. Je ne suis pas votre ennemie malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez, sauf pour l'assassinat. C'est interdit d'employer ce mot. Les nerfs sont fragiles, hein? Sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider? Je suis prête à payer ce qu'il faut. Et je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. L'accusation qui pèse sur vous. Je rectifie. Plaît-il? Je rectifie. Je suis une prisonnière de guerre et non une accusée. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté la grande-duchesse et la politique. Du moins, une personne est morte. Et quelle mort! J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie. Non, sans sur doute. Une personne. Sans doute. Mais c'est une personne qui l'a reçue. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, ma chère, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue, la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'un verdict? On ne vous reproche pas le verdict. C'est un mot sur lequel on peut discuter pendant des nuits. On vous reproche... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Disons, un travail d'amateur, un peu désordonné, dont les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Demandez au grand-duc. Il y avait du sang, vous comprenez? Beaucoup. C'est si fou. Bon, je voulais dire simplement que si vous vous obstinez à parler de verdict, à dire que c'est le parti et lui seul qui a jugé et exécuté, que la grande-duchesse a été tuée non par une bombe mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête de la grande-duchesse. Tout change, n'est-ce pas? Vous aurez besoin d'être gracié, alors. Je veux vous y aider. Pas plus sympathique, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées, moi. Je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger.
Je sais où vous voulez en venir. Vous attendez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir. Vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine, la mienne et celle de mes camarades. Elle est à votre service. La haine. Encore une idée. Ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre. Et ses conséquences, naturellement. Je veux dire, le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre. C'est pour cela, d'ailleurs, que je me suis faite policière. Mais vous n'aimez pas les confidences. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête de la grande duchesse. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fière de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiterez de vivre pour réparer. Le plus important est que vous décidiez de vivre. Et si je le décidais? La grâce pour vous et vos camarades. Et les avez-vous attrapés? Non. Justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. J'ai bien compris. Sûrement. Ne vous fâchez pas encore. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer. Du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis, et du même coup, vous les arracherez à la potence. Par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. À bien des points de vue, c'est une affaire en or. Alors, mes camarades vous répondront avant peu. Encore un crime? Décidément, c'est une vocation. Allons, ma mission est terminée. Mon cœur est triste, mais je vois bien que vous tenez à vos idées. Je ne puis vous en séparer. Vous ne pouvez me séparer de ma famille. Au revoir. Pourquoi, en ce cas, avez-vous épargné le grand-duc et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi. En partie, du moins. Mais pourquoi les avez-vous épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Ah, vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer une grande duchesse, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors, une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu'on tue une grande duchesse? Ne me répondez pas. Ne me répondez pas, surtout. Vous répondrez au grand-duc. Le grand-duc? Oui, il veut vous voir. Et j'étais venue surtout pour m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Il risque même de vous faire changer d'avis. Le grand-duc est chrétien. Là, voyez-vous, c'est sa spécialité. Je ne veux pas le voir. Je regrette, il y tient. Et après tout, vous lui devez quelques égards. On dit aussi que depuis la mort de sa femme, il n'a pas toute sa raison. Nous n'avons pas voulu le contrarier. Si vous changez d'avis, n'oubliez pas ma proposition. Je reviendrai. Le voilà. Après la police, la religion. On vous gâte, décidément. Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Quelle solitude! Que voulez-vous? Regarde. Beaucoup de choses meurent avec une femme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Maintenant, laissez-moi. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne peux plus être seul. Auparavant, lorsque je souffrais,
Elle pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon, alors. Maintenant, je... Je ne pouvais plus être seul. Mais à qui parler? Les autres ne savent pas. Ils font mine d'être tristes. Ils le sont, une heure ou deux. Puis ils vont manger et dormir. Dormir surtout. J'ai pensé que tu devais être comme moi. Tu ne dors pas, j'en suis sûr. Et puis à qui parler du crime sinon à la meurtrière? Quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix qu'elle. Toutes les femmes prennent le même ton lorsqu'elles parlent de la justice. Elles disaient, ceci est juste, et il fallait se taire. Elles se trompent peut-être. Elles se trompaient. Tu te trompes. Elle représentait la justice suprême, celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Et pour cela, elle ne recevait que des privilèges. Si même je devais me tromper, la prison et la mort seront mes salaires. Oui, tu souffres. Mais elle, tu l'as tuée. Elle est morte surprise. Une telle mort de rien. Bien. C'est vrai. On t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Non, je te comprends, ça devait t'aider. Moi, je suis arrivé quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang. Je portais un habit blanc. Taisez-vous! Pourquoi? Je dis la vérité. Sais-tu ce qu'elle faisait 2 heures avant de mourir? Elle dormait dans un fauteuil, les pieds sur une chaise comme toujours. Elle dormait. Et toi, tu l'attendais dans le soir cruel. Aide-moi. Tu es jeune, tu ne peux pas être mauvaise. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Mais pourquoi te redire ainsi? N'as-tu donc jamais pitié de toi-même? Non. Tu devrais, cela soulage. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. Il fallait me tuer avec elle au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Oui, je sais. Ouais, je ne les aimais pas beaucoup. N'étaient-ils pas coupables comme leur tante? Non. Mais pourquoi? Les connais-tu? Mon neveu a le cœur mauvais. Il refuse d'aller porter lui-même ses aumônes aux pauvres. Il a peur de les toucher. N'est-il pas injuste? Il est injuste, certainement. Elle, au moins, elle aimait les paysans. Elle buvait avec eux. Et toi, tu l'as tué. Tu es injuste aussi. Ceci était dit. La terre est déserte. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer. Mais vous n'y parviendrez pas. Laissez-moi. Veux-tu pas te repentir, prier avec moi? Nous ne serons plus seuls. Non. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrai pas, c'est alors que je serai une meurtrière. Mourir? Tu veux mourir? Non, tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Et consentir à être une meurtrière.
Ne l'as-tu pas tué? Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien ou le vôtre? Celui de la Sainte Église. Il n'a rien à faire ici. Elle sert un homme qui lui aussi a connu la prison. Les temps ont bien changé. Et la Sainte Église a choisi dans l'héritage de son maître. Choisi? Que veux-tu dire? Elle a gardé la grâce pour elle. Il nous a laissé le soin d'exercer la charité. Et qui nous? Tous ceux que vous pendez! Je ne suis pas votre ennemi. Mais vous l'êtes. Vous, tous ceux de votre race et de votre clan. Il y a quelque chose de plus abject encore que d'être criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi. Je vous jure que je n'étais pas faite pour tuer. Ne me parlez pas comme à votre ennemi. Regardez. Je m'en remets à vous. Le sang nous sépare. Mais vous pouvez me rejoindre en Dieu, à l'endroit même du malheur. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne ressens pour vous que de la compassion. Et vous venez de toucher mon cœur. Alors vous me comprendrez maintenant, puisque je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Mais en mourant, je serai exacte au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime. Mes camarades, qui pensent à moi en ce moment. Et prier avec vous serait les trahir. Que veux-tu dire? Rien. Sinon que je vais être heureuse. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai. Mais quand le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors, au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux. Et je me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si. L'amour pour la créature. La créature est abjecte. Quoi faire sinon la détruire ou lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Elle est morte seule. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment doivent mourir ensemble s'ils veulent être réunis. La justice sépare. La honte. Le mal qu'on fait aux autres. Le crime sépare. Vivre est une torture puisque vivre sépare. Mais Dieu réunit. Pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. Ce sont les rendez-vous des chiens errants, le nez au sol, toujours flairant, toujours déçu. Je le saurai bientôt. Mais ne peut-on imaginer que deux êtres s'aimant dans la douleur et renonçant à toute joie, et ne pouvant s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur. Ne peut-on imaginer qu'une même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous en avez jamais laissé d'autres. J'aimais aussi celle que vous avez tuée. Je l'ai compris. C'est pourquoi je vous pardonne le mal que vous m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Mais je suis venu pour vous ramener à Dieu. Je le sais maintenant.
Vous voulez vous juger, vous sauver seul, mais vous ne pouvez pas. Dieu pourra, si vous vivez. Je demande votre grâce. Non, je vous en prie, ne le faites pas. Je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Je vous défends! J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravi. Pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Dommage. Je venais chercher ma réponse. Vous l'avez maintenant? Non. Je ne l'ai pas encore. Écoutez bien. J'ai facilité cette entrevue avec le grand-duc pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas. Pourquoi? N'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je sais qu'on ne peut pas croire à la fraternité toute une nuit sans une seule minute de défaillance. J'attendrai à la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patiente. J'ai froid. Viens t'étendre ici. Couvre-toi. La nuit est longue, Eloïs. Comme j'ai froid. Eloïs. Orlov dit que ce pourrait être pour cette nuit. Tous les sous-officiers qui ne sont pas de service ont été convoqués. C'est ainsi qu'elle sera présente. Où la rencontres-tu? Elle nous attendra, Voinov et moi, dans un restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Héloïse. Rien n'est perdu. La décision dépend de la tsarine. La décision dépendra de la tsarine si Jeanne a demandé sa grâce. Elle ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-elle vu le grand-duc sinon pour demander sa grâce? Il a fait dire partout qu'elle s'était repentie. Comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'elle a dit devant le tribunal et ce qu'elle nous a écrit. Jeanne n'a-t-elle pas dit qu'elle regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour la jeter ou en défier à la face de l'autocratie? Une femme qui a dit cela pourrait-elle se repentir? Mendier sa grâce? Non, elle voulait mourir. Elle va mourir. Ce qu'elle a fait ne se renie pas. Elle a eu tort de voir le grand-duc. Elle en est la seule juge. Selon notre règle, elle n'aurait pas dû le voir. Notre règle est de tuer et rien de plus. Oui, elle va mourir. Soyez-en contents. Théodore. Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'elle va mourir, sinon. Quel triomphe. Si elle survit, cela voudrait dire que le grand-duc a dit vrai. Et qu'elle nous a trahis. Et qu'elle s'est repentie. Au contraire, si elle meurt, vous la croirez. Et vous l'aimerez de nouveau. Votre amour coûte cher. Non, Théodore. Nous n'avons jamais douté d'elle. Oui. Peut-être. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Après tout, qu'importe. Après cette nuit, nous allons être au courant, nous allons savoir. Alice, que vas-tu faire ici? La remplacer? Je pleurais. J'étais fière en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu... La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang. Je me suis mise à trembler. Un monde de larmes et de sang? Elle a dit cela, c'est vrai? Elle l'a dit. Oh, Théodore, quel courage! Et à la fin, son grand cri.
Si je me suis trouvée à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. J'ai décidé alors de venir. La pureté. Oui. Elle a désiré. Elle a désiré. Mais quel affreux couronnement! Ne pleure pas, Théodore. Elle a demandé que personne ne pleure sa mort. Oh, je la comprends si bien maintenant. Je ne peux pas douter d'elle. J'ai souffert parce que j'étais lâche. Et puis, j'ai lancé la bombe à Tiflis. Maintenant, je ne suis pas différente de Jeanne. Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée. Prendre sa place, puisque je n'avais pu être à ses côtés. Mais qui pourra prendre sa place cette nuit? Elle est seule, Alice. Nous devons la soutenir de notre fierté comme elle nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. Regarde mes yeux. Ils sont secs. Mais fiers. Non. Non, sans fier, je ne pourrai plus jamais l'être. Ne me juge pas mal, Théodore. Je souhaite que Jeanne vive. Nous avons besoin de femmes comme elle. Elle ne le souhaite pas. Nous devons désirer qu'elle meure. Tu es fou. Non! Nous devons le désirer. Je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oui. Qu'elle meure. Et qu'elle meure vite. Je pars, Eloïse. Viens, Alice. Orlov nous attend. Oui. Ne tardez pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur lui. La mort. L'importance. La mort encore! Alice! Oui, petit frère. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas cela. Si la mort est la seule solution, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle de la vie. Celle du soleil. Nous ne pouvons pas avoir froid sans cesse. Et celle-ci aussi mène à la vie. À la vie des autres. Les autres. La Russie vivra. Nos petits-enfants vivront. Petits-enfants. Rappelle-toi de ce que disait toujours Jeanne. La Russie sera belle. Les autres. Les autres. Nos petits-enfants. Jeanne est en prison. La corde est froide. Elle est peut-être déjà morte maintenant. Pour que les autres vivent. Et si les autres ne vivaient pas, elle serait morte pour rien. Tais-toi. Comme j'ai froid. Le printemps, pourtant. Il y a des arbres dans la cour de la prison. Je le sais. Oui. Attends, sans voir. Elle doit les voir. Oui. Ne tremble pas ici. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà mort. Tout cela nous vieillit si vite. Nous ne serons plus jamais des enfants, Héloïse. Au premier meurtre, l'enfant s'enfuit. Je lance la bombe et, en un instant, une vie s'écroule. Nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme font les femmes. Vous êtes allées trop vite. Vous n'êtes plus des femmes, maintenant. La misère et le malheur aussi allaient vite. Il n'y a plus place pour la patience et le mûrissement dans ce monde. Je sais. La Russie est pressée. Nous avons pris sur nous tout le malheur du monde. Elle aussi l'avait pris. Quel courage! Mais j'ai peur que cela ait un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous veillons de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Qui te dit que personne n'ira pas plus loin? Quand j'écoute Stéphanie, j'ai peur! Qu'est-ce qui te dit pas que personne n'osera s'emparer de nous pour tuer? Ils ne paieront pas de leur vie. Ce serait l'âge, Théodore. C'est peut-être cela la justice. Et plus personne n'osera la regarder en face. Théodore! Est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. J'ai froid.
Je pense à Ed qui n'ose pas trembler pour ne pas paraître avoir peur. N'es-tu plus avec nous? Je suis avec vous. Et j'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie. Je sais que nous pouvons faire autrement. Oui. Je suis ici, d'un cœur joyeux. Et je m'y maintiens. D'un cœur triste et malheureux. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers, Héloïse. La Russie entière est en prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats. Alors donne-moi la bombe. Je la lancerai. Je marcherai au milieu de la fournaise. Et mon pas sera pourtant égal. C'est facile de mourir de ces contradictions. C'est beaucoup plus facile de mourir de cela que de les vivre. Pour elle, le but approche. J'ai aimé, tu sais. Oui. Mais il y a si longtemps que je ne m'en souviens pas. Tu as déjà aimé? Combien de temps? Il y a 4 ans. Combien de temps diriges-tu l'organisation? 4 ans. 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Aimer. Mais être aimé. Non. Il faut marcher. Marche. Marche. On voudrait s'arrêter. Mais non. La seule justice colle à notre peau comme de la glu. De la glu. Non. Il faut marcher. Marche. Marche. Nous sommes condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les visages. Les êtres, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour, voilà ça l'injustice. Mais non, il faut marcher. Marche, 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 Théodore, marche. Elle sera graciée. Tu sais bien que non. Tu sais bien que non. Elle sort peut-être dans la cour de la prison. Les gens, par exemple, soudainement silencieux, pourvu qu'elle n'ait pas froid. Héloïse, sais-tu comment l'on pend? Au bout d'une corde, assez, Théodore. Pour ressortir sur les épaules. Le coup craque. N'est-ce pas terrible? Oui, dans un sens. Dans un autre sens, c'est le bonheur. Le bonheur. Sentir la main de quelqu'un avant de mourir. Bonheur. Théodore, il faudra partir ensuite. Nous nous reposerons. Partir? Avec qui? Avec moi, Théodore. Si long. J'en ai marre maintenant. Je le sais. Je suis ta famille. Oui. Vous êtes ma famille. Mes frères. Mes sœurs que j'aime. Quel affreux combat parfois la fraternité. Jeanne n'a pas trahi. Orlov a pu voir. Oui. C'est toi, Stéphane. Raconte. À quoi bon? Raconte. J'exige que tu racontes. Dans le détail. Je ne saurais pas. Et puis maintenant, il faut partir. Tu parleras. À quelle heure a-t-elle été prévenue? À 10 heures du soir. À quelle heure a-t-elle été pendue? À 2 heures du matin. Pendant 4 heures, elle a attendu? Oui.
sans un mot, et puis tout s'est précipité. 4 heures sans parler. C'est fini maintenant. Attends. Comment était-elle habillée? Avait-elle sa pelisse? Non. Elle était en noir. Elle n'avait pas de par-dessus. Elle avait un feutre noir. Quel temps faisait-il? La nuit noire. La neige était sale et puis la pluie l'a changée en une boue gluante. Est-ce qu'elle tremblait? Orlov a-t-elle croisé son regard? Non. Que regardait-elle? Tout le monde sans rien voir, a dit Orlov. Et puis... Laisse Théodore. J'existe ce que tu racontes. Sa mort, du moins, est à moi. On lui a lu le jugement. Que faisait-elle à ce moment-là? Rien. À un moment, elle a secoué un peu sa jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure. La boue? Comment c'est tout cela? Tu as tout demandé à Orlov. Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Jeanne et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Ensuite? Le père Florensky lui a présenté le crucifix. Elle a refusé de l'embrasser. Elle a déclaré: je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en paix avec la mort. Comment était sa voix? La même, exactement. Moi, la fièvre et l'impatience que vous lui connaissez. Était heureuse. Oui. Elle était heureuse. Puisque serait injuste, ayant refusé d'être heureuse pendant la vie pour mieux se préparer au sacrifice, qu'elle ne l'ait pas reçue avec la mort. Et c'est là qu'elle est marchée vers la potence. Elle a marché? Oui. On chantait sur le fleuve en contrebas avec un accordéon. Des chiens ont aboyé à ce moment. C'est là qu'elle est montée. Elle est montée. Elle s'est enfoncée dans la nuit. On a vu vaguement le linceul dont le bourreau l'a recouverte tout entière. Et puis... Des bruits sourds. C'est Fanny. Alice. S'il te plaît, Alice. Un bruit terrible. Cela est le jour de la justification. Ne voyez-vous pas que, à cette heure, le témoignage s'élève pour nous autres révoltés? Jeanne n'est plus meurtrière. Un bruit terrible. Il aura fallu un bruit terrible pour qu'elle retourne aux joies de l'enfance. Et parfois, sans raison. Vous souvenez-vous de son rire? Elle était si jeune. Elle doit rire maintenant. Oui, elle doit rire. Elle doit rire face contre terre. Héloïse, tu as dit que tu étais une sœur pour moi. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Tu m'aideras. Tu me donneras la bombe. Oui. Tu me donneras la bombe. Je la lancerai. Je serai le premier à la lancer. Tu sais bien que nous ne voulons pas d'hommes au premier rang. Je suis un homme maintenant. Accepte, Héloïse. Oui, accepte.
mais c'était ton tour. Axel. Il me ressemble maintenant. Oui. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Plus tard. Plus tard, dans une nuit froide. Oui, Théodore. Jeanne. Jeanne. Plus tard. Dans une nuit froide. La même corde. Tout sera plus facile maintenant.